Salut les amis, c'est Dark Zork. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler du State Decay 2 qui vient de sortir. Donc, ce jeu est sorti récemment. C'est un jeu de zombies, du survie. Et voilà, c'est un jeu ouvert. C'est un environnement vraiment bien. Il est disponible sur Xbox One et PS4 et bien sûr PC. C'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Et c'est pour ça, pour cette raison même que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous en parler justement et de découvrir un peu ce nouveau gameplay. Voilà, d'en savoir un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ce jeu est graphiquement... on est en 2018, on peut faire mieux, mais il est vraiment bien, bien, bien. Moi, je trouve que c'est le jeu, le meilleur jeu. Il est mille fois mieux que le 1. Voilà, comparé au premier, c'était moyen. Mais là, c'est vraiment, ils ont fait du bon boulot. Et je parle de tout, mais alors de tout concernant que ce soit sur les joueurs, sur l'histoire. Mais alors vraiment tout. Ainsi que, bien sûr, je vais vous en parler aussi sur le fait que vous pouvez créer une communauté en rassemblant d'autres joueurs et voilà, en découvrant de nouveaux territoires, nouvelles zones et en éradiquant, comme on dit, les cœurs de peste. Voilà. Donc, moi, ce jeu vraiment... Il est classé dans les top 1. Franchement, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire. Pour moi, je kiffe vraiment. J'adore ce jeu. Il y a... voilà, je sais pas si il y aura des nouvelles mises à jour, mais jusque-là, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Mais alors, beaucoup de choses, comme par exemple, comme, soigner ceux qui sont infectés. Voilà, ça a un cœur de peste. Il faut le détruire avec des explosifs ou des armes comme les fusils. Enfin, généralement des explosifs, ça marche. On va parler des différents zombies qu'il y a dans le jeu. C'est ça, c'est un mastodonte. C'est le zombie qui est le plus dur à battre. Ça, c'est un rouge. Voilà. Attends, je ne me rappelle plus. C'est un rouge, mais oui. Ça, si vous mourrez, il vous infecte. Il y a des zombies moins dangereux. Voilà, c'est les autres. En général, il y a aussi les hurleurs, que quand tu t'approches, ils hurlent. Il y a énormément de zombies et surtout, surtout les voitures. Il y en a vraiment des voitures magnifiques. Et c'est un bug. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures que personnellement, je ne connais pas encore. Et peut-être de nouveaux zombies, qui sait. Voilà, je sais pas, je crois qu'on a fait le tour. On peut aussi jouer en coop, en multijoueur. Et c'est, moi, à mon avis, en solo, c'est mieux, car en solo, on découvre le jeu, l'histoire, on joue vraiment d'une autre façon, hein, d'une autre façon plutôt que multijoueur, on est... Voilà, le truc, le mode survie est un peu effacé parce qu'en multijoueur, on est rassuré d'être avec des potes, tout ça. On se dit que voilà, voilà le mode survie, la beauté, tout ça, disons que ça part un peu. Mais voilà, en restant le fait que globalement, ce jeu est vraiment génial, vraiment, c'est vraiment bien fait. Sur cette image, vous pouvez voir aussi qu'on peut défier d'autres communautés. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un zombie très, très fort. Je me rappelle plus son nom, mais il était très fort. Il est rapide, fort, et c'est le plus dangereux. Mais comment on peut défoncer la voiture? Voilà. En général, la meilleure arme sur ce jeu, c'est la voiture. L'inconvénient, c'est juste. Le petit secret de la voiture pour pas qu'elle s'endommage très vite, c'est de frapper les zombies par derrière. Je veux dire, frapper les zombies avec le derrière de la voiture et non le côté devant qui est plus sensible car là, c'est là où il y a le moteur. Voilà. Et si tu tapes trop de zombies avec le devant de la voiture et le moteur il prend cher, tout ça, ça explose. Du coup, voilà.
Et la meilleure solution, c'est de le frapper avec l'arrière de la voiture. Voilà, cœur de peste. C'est les cœurs de peste, au fait, plus vous en détruisez, plus il devient fort, plus c'est difficile, plus il y a des rouges aux alentours, il y a un max de zombies que c'est généralement difficile à battre. Voilà. Et jamais oublier de vous le dire, plus vous avancez dans le jeu, et surtout, surtout, quand vous changez de base, quand vous changez de base, il y a de nouvelles, par exemple, de nouvelles zones, découvrir de nouveaux trucs à construire. Par exemple, on peut construire dans la première zone sur le jeu en mode histoire, par exemple, l'hôpital. On construit juste un petit, comment ça s'appelle, un petit centre de soins, comme ça, vite fait. Mais dès que tu déménages, c'est-à-dire tu changes. Grâce aux avant-postes, tout ça, tu changes voilà, de maison, tout ça, bah, par exemple, ça se devient carrément un hôpital. Ça devient carrément, tu peux, ça s'appelle un hôpital de campagne, mais c'est plus grand et vous pouvez aussi créer plus de médocs, plus de soignés, voilà, plus efficacement les infections, ça. Et un max de trucs, comme on peut aussi faire du jardinage pour les voilà, pour pas manquer de nourriture, tout ça. On peut faire mais alors beaucoup de choses, hein, j'en passe, mais vraiment, ce jeu est vraiment bien. Il n'y a pas que du loot, certes, il y a beaucoup de loot, mais c'est le côté voilà, on peut pas y passer à côté. Le loot, c'est vraiment. Voilà. Mais c'est génial parce qu'on découvre toujours de nouveaux trucs. Je sais pas s'il va y avoir, il va y avoir une mise à jour. Je pense c'est un peu tôt pour en parler, mais je pense, moi, je pense qu'il y aura de nouveautés. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de voitures complètement différentes les unes des autres. Bien sûr, il y en a de plus puissantes, voilà, plus rapides que d'autres. Mais le zombie a franchement évité, c'est le mastodonte, hein, comme vous pouvez le voir, il est vraiment, vraiment très puissant, le mastodonte, donc voilà, il faut faire gaffe. Mais moi, ce que j'aime plutôt, c'est le fait que tu peux recruter d'autres gens à fur et à mesure des missions, tu peux recruter d'autres gens et bah, plus de chances de combattre plus les zombies, tout ça, surtout grâce aux véhicules qu'il y en a. Il y a beaucoup de véhicules. Ce que j'aime le plus, c'est déglinguer les zombies. Dès que j'approche d'un zombie, il y a la porte qui s'ouvre. Et au fait, je voulais vous en parler de cet avion. Là, oui. Au fait, je pense qu'il y a un truc dans l'avion qui s'est crashé, quelque chose comme ça. Il faut aller avec la voiture, mais le problème, je ne sais pas trop c'est où. Du coup, moi, franchement, je me dis peut-être que voilà, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus pour en savoir plus. Voilà, pour en savoir plus sur l'avion, parce que je suis sûr qu'elle cache un secret quelconque. Et aussi, j'aimerais vous dire que il y a le, y a, donc voilà, il y a une mission, c'est genre une mission d'héritage, un truc du genre, ça concerne un des avatars des joueurs du jeu. Je sais pas trop c'est quoi exactement, mais je pense c'est vraiment intéressant, un truc d'héritage, tout ça. Il y a un gros truc, je suis sûr. Comme sûr, voilà, il y a un truc sur le truc de l'héritage. Mais aussi, il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'autres missions. Et il y a trois maps sur le jeu. En fait, il y en a la première, c'est celle qu'on commence le jeu, l'histoire, tout ça. Mais il y en a d'autres que grâce Tokioki, grâce à une option sur le jeu que tu peux appeler d'autres personnages, tu peux découvrir à fur et à mesure la map. Voilà, on peut découvrir facilement la map, tout ça. Et ça, ce qui est génial, c'est que plus tu progresses, plus il y a de nouveaux trucs, plus il y a de nouveaux véhicules, il y a voilà, de nouveaux persos, tout ça. Et tu peux agrandir plus ta communauté, déménager, avoir plus de trucs au niveau de la nouvelle maison, tout ça. C'est vraiment génial comme jeu. Personnellement, j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Et voilà, je fais cette vidéo justement pour vous dire à quel point que ce jeu est vraiment bien. Il y a beaucoup d'astuces que vous allez découvrir à fur et à mesure du jeu, mais vraiment, pour les fans du jeu de survie, c'est vraiment le top, mais alors le top du top.
Et voilà. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh, je vous dis à bientôt. Et merci, abonnez-vous, likez la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Peace les amis.